vrai bizutage la semaine prochaine. Ouais. Dès dimanche soir à Val-d'Isère, ça va être sympa. Écoute, nickel, on a attaqué il y a déjà 2 semaines. On a fait du conditioning, de la muscu, on a repris un peu du rugby. Donc ça fait plaisir. Après, on a eu les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc on les a rencontrés, on a essayé de les intégrer au mieux et ça se passe vraiment super pour l'instant. Donc. Ouais, c'est un mal pour un bien parce que quand on est rugbyman, on aime le ballon et là on fait un peu que du physique. Mais après, oui, j'aime plutôt ça et comme Lucas Dupont, etc., on a essayé de se tirer la bourre et c'était plutôt sympa. Complètement, je pense que la plupart des joueurs, on est allé 2 semaines en vacances directement après ou voire 1 semaine en vacances au moins. On a essayé de couper au maximum et ça nous a fait plutôt du bien parce que il fallait qu'on coupe et qu'on se projette sur la saison prochaine et qu'on fasse une bonne saison. Ouais, bah, comme je te dis, franchement, top. Les recrues sont tous sympas. On se prend pas la tête, on essaye de reprendre tranquillement, et après on verra et on a hâte de commencer déjà. 3, 8 ou 9, ouais. 8 ou 9 jeunes. Et, il y a ton frère notamment. Ouais, il y a mon frère, c'est un petit rêve de gosse. Depuis tout petit, on essayait de se dire, putain, si un jour on peut jouer en pro, et bon, là on s'entraîne, c'est déjà énorme. Donc j'espère plus tard, par la suite, qu'on fera un match. Ouais, ou la saison d'après, je sais pas. Il verra, il se prend pas la tête, je lui dis entraîne-toi, prends l'opportunité et tu verras, et c'est génial.